Merde, il est pas là. Il est pas là. Coordinateur administratif du Média Training. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Jalil. Du coup, t'es du club avec Rachid. Ouais, voilà, je suis un peu le bras droit de Rachid. Mais voilà, je rattrape quand tout part en couille. Lui et moi, on rattrape quand ça va de travers, on essaye de rattraper au maximum. Ok. De pouvoir compter sur des valeurs sûres comme ça. Et du coup, au quotidien, c'est quoi ton rôle au club? Au quotidien, bah, il y a beaucoup de j'assiste Rachid dans les cours. Il y a aussi du maintien de la salle aussi, parce que c'est important de maintenir le matériel en bon état. Et après, bah, c'est créer aussi des petits mouvements entre nous pour nous rapprocher, nous, en tant que boxeurs. Et aussi inviter les gens de l'extérieur à connaître un peu le monde de la boxe. Ça reste un monde fermé quand même et les gens sont très intéressés de savoir, donc on essaye de faire des petits événements pour initier les gens qui ne connaissent pas la boxe et les autres arts martiaux. En tout cas, merci pour l'accueil. Merci. Combattant suivant. DJ. Là-bas, le papa. Super Lucas, alors on sait que t'as un gros public sur bras panon. Là tu tires en pancras, on sait que t'as des bonnes jambes, spécialiste du kick. Tu penses que tu seras au rendez-vous samedi prochain? De toute façon on a fait le travail, on a fait le taf. Et vendredi prochain, samedi prochain, on trouve un Nicolas avec toi. Et nous va faire le travail. Nous va mettre le plan en place. Et voilà. Stratégie. Voilà. Tu prends un élève de pâtissier Giovanni, on sait que les gars là-bas sont durs. Est-ce que toi tu penses que t'as la rage par rapport à ça? Chacun a sa chance dans le monde, juste ça. Et le vin, ce sera la tienne? Ouais, ce sera la mienne. J'ai une autre question par rapport à papa là, qui t'a donné un petit peu le chemin à suivre sur le ring. Est-ce que, voilà, c'est quoi par rapport à ça, par rapport à cet héritage? C'est une pression supplémentaire ou c'est quelque chose qui te guide au quotidien à l'entraînement? Depuis petit, c'était mon rêve de suivre papa. Quand j'avais 6 ans, 7 ans, je voyais boxer. Maintenant, c'est mon retour de faire honneur. Et le chemin est difficile, mais c'est possible. Ok, une question pour papa, forcément Guino. Est-ce que c'est plus dur d'être sur le ring ou au bord? Bah, c'est au bord du ring, c'est plus dur en fait. Sur le ring, non. C'est, on s'amuse, on boxe. Mais c'est vrai que c'est, surtout quand c'est mon fils, et là le stress il est double. Alors on sait que t'es un combattant qui a pas peur de l'innovation. Ton mama il a un profil global au sol. Comment t'as fait pour justement l'amener vers le pancras MMA? Bah, en fait, c'est l'expérience des combats passés, c'est mes expériences que lui aussi, bah, il avait envie, il aime ça, et je pense qu'à travers mon fils, je vais faire pas mal d'espoir. Voilà, pour ce samedi, exemple. Ok, super, merci les gars, big up. Bravo, bras panneau en l'air. Time!
Sam, je te laisse reprendre un petit peu ton souffle. Bon là, il y a des watts quand même dans les PAO là. Juste le 20 août là, c'est quoi ton message à ton public nombreux sur Saint-Denis? Sincèrement, faut venir. Il y aura le feu, ça va envoyer, c'est la Rage Night. Hein? En tant que ça, hein? Du coup, on sera là, on sera ensemble. Et on va tout faire péter, tout bouler, c'est la Rage Night. Est-ce que toi, tu dirais que t'es un rageux? Sincèrement, ça dépend. J'ai la rage de vaincre. Mais je suis pas un rageux, j'en veux à personne. Mais j'ai la rage de vaincre. C'est ça qui fait tout. Super, merci, rendez-vous le 20. Je m'appelle Ryan, j'ai 22 ans, je viens de commencer la boxe, on est là pour tout casser. Alors en termes d'image pour toi, boxer sur le Rage Night le 20 août, c'est un défi, tu penses qu'il y a du public qui va te suivre? C'est un gros défi, comme je suis nouveau, à moi de faire mes preuves, ou à la suite, nous on sera là, on sera présent pour le 20, et comme on dit, on a la rage. Super, big up, merci Ryan. Merci. Bon Christophe, les jambes, ça part comme des missiles, hein. Oui. Bon, on s'est entraîné pour. Et du coup, voilà, merci à Mathias, mon entraîneur. Merci à Manu Payet. Merci à Jean-Régis Pandor pour l'invitation. Et voilà. Bon, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir de t'avoir sur le plateau le 20 août. T'as un petit message sur ton public nombreux qui te suit sur les réseaux? Ben, on va tout donner. Parce qu'on a un très bon adversaire et la préparation est là et on va tout arracher. Bon, en tout cas, nous, vu ta prestation sur le média training, on a hâte de voir ça sur le ring. Le coach, tu peux nous donner un petit élément par rapport à son profil, lui, sur le ring? Ça correspond à quoi, s'il te plaît? Alors, son petit surnom à lui, c'est Semtex. Donc, vous verrez ça samedi prochain. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, allez chercher sur Internet, on vous laisse découvrir. Et samedi prochain, on verra ce que ça va donner. Très bon adversaire, d'ailleurs, de chez Rachid. Donc, on vous promet un super combat samedi prochain. Okay. Donc, venez nombreux surtout. Big up au tampon et rendez-vous le 20. Merci les gars. Merci. Ouais,